Connexion, connexion, connexion. Devoir de la semaine. Coucou, je ne vais pas être longue. C'est pour faire une annonce capitale. Une annonce capitale. Connectez-vous. Bonjour les cœurs. Dans 300 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur avenue de Bury-Saint-Edmond. Connectez-vous. Oh, partagez, partagez, partagez. C'est comment? Bonjour les cœurs. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est la télécommande, hein? Celle qui tient la télécommande de Facebook, la reine mère, la PDG internationale. Partagez, j'ai un message à passer tout de suite là, rapidement s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Message capital. J'ai pas beaucoup de temps. Bonjour les. Dans 200 mètres, au carrefour Kiryat-Yvon, prendre la deuxième sortie et continuer sur avenue de Bury-Saint-Edmond. Partagez, connectez-vous s'il vous plaît. Rapidement, ça bouge là, ça bouge. Rapidement, c'est les partages. Annonce. Annonce à faire, annonce à faire, annonce. Annonce s'il vous plaît. Au rond-point, prendre avenue de Bury-Saint-Edmond. Caravane de paix donnée par la reine mère, la PDG internationale. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur avenue de Bury-Saint-Edmond. Partagez-moi les choses, s'il vous plaît. Rapidement, j'ai pas beaucoup de temps à perdre là. Rapidement, je ne vois pas les partages. Rapidement, s'il vous plaît. À 500 personnes, je passe le message vite fait et je continue mon chemin. Les gens pensent qu'on est là pour rigoler. Les gens pensent que si on se teste parce qu'on n'a rien à dire, on a beaucoup à dire. Mais comme nous sommes des chefs d'entreprise, on a décidé de fonctionner autrement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Au rond-point, prendre l'avenue de Bury-Saint-Edmond. Vous demande dans de 500 prendre mètres, d'abord au les deux rond-point, prendre la première sortie et continuer sur avenue Pierre et Marie Curie. Certains, prenez d'abord un peu les Doliprane. Un tour de partage, s'il vous plaît. Un tour de partage, mes cœurs chauds. Un tour de partage à la puissance. Si la femme qui. La grande dame que je suis. Oui. S'il vous plaît, faites un tour de patate à 500, je passe mon message et je coupe. La reine me veut passer un message capital. La douce, la capricieuse quand elle veut, des fois très capricieuse avec ses abeilles. Je passe un petit message. Vous savez que c'est restreint, hein? Vous savez que Zokombek a un peu tenté de nous chauffer le cœur. Oui. Les quand j'étais, les quand je serai. Hein? Vous allez aller chercher le travail. J'ai pleuré pour Papa Zouazou et Zumento. Les gens qui sont stars sur Facebook là. Moi, je suis star depuis, hein. Donc, j'ai dit que maman, les gens qui font les projets par rapport à Facebook aujourd'hui là. Je me suis dit que, pardon, Zokombek, donne-moi encore 3 ans, je pars en retraite. Pardon, 3 ans seulement, pas beaucoup. Ne coupe pas encore. J'ai pleuré les gens qui ont laissé le travail pour aller sur Facebook. Au rond-point, prendre avenue Pierre et Marie Curie. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur route départementale 200, des 200 en direction de A1, Paris. D'accord, c'est compris. Mes abonnés d'amour, il y a les 500, mettez les cœurs et partagez. J'ai un message capital à passer. Bonjour mes cœurs, ça va? Regardez comment je suis rayonnante. Regardez comment je suis douce, sensuelle. La paix est bien. Faites la paix autour de vous. La paix est un médicament. Quand on est en paix autour de soi, on guérit. Sans boire les médicaments, faites la paix autour de vous. Je prends quel. Ça m'a dit quoi? Ah, un non. Bon, donc, faites la paix autour de vous. Et vous serez. Tu dis que quoi? Je vois quelqu'un qui dit. Au rond-point, prendre route départementale 200. Je ne. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur route départementale 200, des 200. Mettez les cœurs chauds. J'ai un message à passer. Vous allez voir le travail de ça. Vous savez, je n'ai pas donné rendez-vous à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Hein.
À nos bagues, rendez-vous pour personne, pour Instagram et Facebook. Au rond-point, départemental 200. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur route départementale 200. Je n'ai pas donné. Maman, la paix est bien. Faites la paix autour de vous. Et vous vous sentirez légère. Je suis en paix. Alors, l'annonce que je vais passer un message tout de suite. Vous savez, comme je dis toujours, je suis née dans le bonheur. Je suis née dans un mariage. Mon père a doté ma mère et a même payé trop cher. Ma mère mariée officiellement à la mairie avec son mari jusqu'à la mort. Je suis née dans le bonheur. Au rond-point, prendre route départementale 200. Continuer sur D200 pendant 800 mètres. Ma mère ne s'est jamais disputée dans sa vie. Au quartier, même au marché où elle vendait, elle ne s'est jamais disputée avec personne. Je ne sais pas d'où vient ma part de boubouboubou que je fais là. Ça ne vient pas de la famille de ma mère. Ça vient de chez mon père, ça c'est sûr. Un enfant prend toujours un côté. Mon père aimait trop le sixième. Mon père fait la guerre avec les agents. Dans 400 mètres, au carrefour Jean Monnet, prendre la deuxième sortie des 200 en direction de Creil. Mon père a fait le... Il a travaillé avec les Allemands, donc... Il a fait la guerre avec les Allemands. Oui. Donc, vous pouvez comprendre que... C'est comme ça, quoi. Vous savez, dans les familles, il y a toujours une... qui est autrement. Hein. Même ma famille me regarde, ils se disent, mais... C'est pas elle. Donc, j'ai une annonce capitale à faire. Et puis, je vais couper parce que j'ai des rendez-vous d'affaires. Hein. On prépare le 2 novembre. Je vois les gens jacasser alors que je n'ai même pas encore fini de parler. Ça jacasse de partout. Ça jacasse. Ça décrypte. On ne peut que décrypter les... Au rond-point, prendre D200. Comme moi. Elles ont décrypté les dirigeants n'importe qui. Continuez sur D200. Dès que quelqu'un veut, les maigres veulent gnagnagnag, flan de l'île. Gnagnagnagnag, flan de l'île, viens, gnagnagnag. J'ai bloqué les pages publiques là jusqu'à... Vous allez me suivre, je ne vais pas vous écouter. Vous me servez à quoi? J'ai mes abeilles, j'ai les sympathisants qui m'apprécient. Les autres stars, utilisez vos noms pour chercher la star. Mais pourquoi c'est tout mon nom? Waouh, la vache. Oh my God. Donc, Zokombek a encore donné un avertissement hier que organisons nos vies. Parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Oui, personne n'est épargné. Lui-même... Il a encore donné un avertissement hier. Donc, nous devons comprendre tout ce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et que dès qu'on ferme les réseaux sociaux, il y a les gens que le Stamania va boler. J'ai pensé à mes abeilles hier. J'ai dit, je vais encore me disputer avec les qui. Je vais encore parler comment. Mais j'ai pensé une chose, je suis star dans la vie réelle. Je n'ai pas que fait le virtuel. Mais je suis connu dans le réel. J'ai pensé à mes collègues qui sont que derrière l'écran. Qui ne sortent pas confirmer leur stamania avec leurs amis, avec les personnes qui les aiment. J'ai beaucoup pensé à vous. J'ai dit que donc ça peut finir comme ça du jour au lendemain. Non. Je vais passer mon mot avant que ça ne se... Avant que peut-être Facebook ne récupère... voilà quoi. Donc je voudrais vous dire que vous avez vu, mon expert a débloqué certains abeilles. J'ai demandé pardon à votre place les abeilles, à mon expert. Maintenant, ce qu'il y a à faire, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que jeudi, je vais faire une annonce capitale. Parce que les gens bavardent trop sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai à dire. J'ai à dire. Et ce sera jeudi à 21h. Je ne badine pas, je ne blague pas. J'ai besoin de parler, je ne veux pas arrêter. Ne venez pas me dire, ne dis rien, tu es en promotion. Non, je suis en promotion, ça ne veut rien dire. J'ai à dire jeudi à 21h. Alors, je voudrais vous passer le message à tout le monde. Préparez le savon, préparez le sel, préparez les sacs de riz. Parce que maintenant, je dois organiser le voix bébé. Le voix bébé de bébé Brandon. Le dernier enfant de mon expert, je viens vous annoncer officiellement que jeudi, je vous donne le programme pour organiser le voix bébé de cet enfant. On n'a pas encore fait le voix bébé.
C'est moi qui fais ce voix bébé. Et je vais vous annoncer comment. Vous allez préparer le savon de l'enfant. Comment? Vous allez faire pour que ce voix bébé soit un voix bébé extraordinaire. Entre parenthèses, mon amitié, ma relation avec Koun, mon frère Koun, qui est toujours le parrain de l'événement, ne souffre de rien. Ne mélangez pas. Chacun gère sa guerre. Donc, je vous annonce, prenez vos stylos. Je ne rigole pas. Le voix bébé, je vais vous donner le programme. Je dis, je donne le voix bébé. Je donne le voix bébé, le programme du voix bébé, du dernier fils, le petit Brandon Chou. Je vais donner le programme du voix bébé. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sans moi la fille est née. Sans moi la première fille d'organiser. Vous croyez que quoi? On a tel âge de guerre, il n'y a rien. Les gens meurent très vite. Aïe, 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 aïe. Non, je ne ris pas, c'est juste que bon, vous savez, je suis quelqu'un qui, le voix bébé sera de taille. Je vais trouver la salle. On va dans 3 km, prendre la sortie à 1 en direction de Lille, aéroport CH, de Gaulle. Okay. Donc, le voix bébé, j'annonce le programme du voix bébé de bébé Brandon. Je fais un big up à ma soeur. Qui nous a donné ce dernier bébé. Est-ce qu'on dit ex-sœur? Mon ex-père et mon ex-sœur, non. Vous êtes débloqué les abeilles. Ceux qui ne sont pas encore débloqués, restez tranquille. Vous allez recevoir les billets. Je vais vous présenter. Le voix bébé de bébé Brandon sera jeudi à 21h. C'est tout ce que j'avais à dire. Je ne discute avec personne. Je ne négocie rien avec personne. Les gens veulent gnoc, gnoc, gnoc. N'ouvre plus ta porte. Est-ce que j'ai besoin qu'on m'ouvre la porte? Je passe, je toque et j'entre. C'est quoi? Et puis je vois Marc Canada. Marc Canada, tu dis que quoi? Mais tu cherches Marc Canada. Vraiment. Et je voulais aussi remercier mon expert d'avoir reçu mes extracteurs à l'arrêt de bus. C'est ça que maman, la vraie fille prodige est là. Certains qui disent qu'on t'a donné, maman, vous m'avez donné que vous avez d'abord pris, qu'on t'a remis, et qu'on les ex-prodiges, et Fleur de Lille, qu'elle prend alors tu as trop pleuré. Maman, ben non, je n'ai pas pleuré, chaque chose a son temps, les cœurs. Hein. Dans les jacassements des filles prodiges. Hey. Attendez, parce que si je paie mon chemin pour ce... Dans 600 mètres, prendre la sortie à 1 oui. En direction de Lille. Est-ce que la fille CH prodige a besoin de parler? La vraie fille prodige, elle organise, on voit. On va les Nyamakiri. Les Nyamburu. Prendre la sortie à 1. Je leur ai laissé un peu la place, maman. Ils n'ont pas pu faire quelque chose de bien. Vous avez été incapable d'organiser une surprise. Dans 600 mètres, on a été au Mexique, à Los Angeles. Vous n'avez qu'un souvenir. Le seul souvenir bloqué. Le seul souvenir. Le seul souvenir des Nyamburu. Est bloqué. Est bloqué. J'ai besoin de parler. Est-ce que j'ai besoin de parler fort? Hebleke, hebleke, les Nyamburu. Maman, oh, 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 les Nyamburu. Ils vont faire quoi encore maintenant? Hein? Les Nyamburu. Je donne le programme, je vois bébé jeudi. C'est le roi. N'importe quoi. Vous avez commenté, vous êtes qui? La seule qui a mis la, en haut, c'est bon. Au rond-point, prendre. Les Nyamburu, eh ben, les filles prodiges. Dans 400 mètres. Ah, travail de ça, oh. Oh, 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 oui.
Maman, le travail de ça, les nyambourou, est bloqué, est bloqué. Les jacassements de ça. On a pris, on t'a remis. Ma fou pouvait remettre quoi à qui? Vous avez d'avoir pris quoi? Montez-nous les photos souvenirs, on voit. J'étais au Mexique, à Los Angeles. Maman, est bloqué. Les nyambourou. Rendez-vous jeudi. C'est 21h. Soyez. Moi, je mets 21h pour que tout le monde prenne le stylo pour noter l'adresse du voix bébé. Tout ça là. Vous voyez un peu, non? Ils vont sortir de partout. Flo de la fraîcheur de ça. Maman, la donneuse. Ils vont te parler. Oui, rendez-vous jeudi à 21h. Les cœurs. On va gérer ça proprement. Bon, je vais vous laisser. Restez à gauche à l'embranchement. Oui, oui, les nyambourou. Ma blague. Maman, la rébus de ça. Continuez sur un pendant 36 km. Hey, maman, ils ont apporté quoi? C'est jeudi, rendez-vous, c'est jeudi. Je donne le programme du voix bébé. Donc, jeudi, soyez nombreux. La paix est bien. Ça fait 2 ans, je n'ai pas vu mon expert. Mais, ce qui est sûr, on commence d'abord comme ça dans le virtuel. Et puis on finira dans le réel. Ce qui est sûr, ça vient. Ça vient. Ça vient. Vous voyez un peu. Donc, ça fait 2 ans, on ne s'est plus jamais croisé. On s'est croisé qu'au deuil d'Armand Jameau, père à son âme. Mais il partait déjà, moi je venais. Donc, la paix est bien et ça se fait naturellement. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit que. Donc, tous ceux qui viennent donner leurs avis là, c'est votre problème là-bas. Oh, il faut faire attention. Oh, n'ouvre plus jamais ta porte. On vous dit que je suis sans abri en Europe. Je ne suis pas sans abri, hein. N'ouvre plus jamais ta porte. Et ne te mélange plus. C'est monté, c'est descendu. Vous êtes sûr que moi, je veux me mélanger. Vous êtes tellement nyamburundum. Vous êtes tellement doum. Quand on est blessé, il faut de temps pour se reconstruire des deux côtés. Donc, arrêtez de vouloir trop donner vos avis. C'est ce qui ne vous concerne pas. Vous croyez que la vie, c'est comme ça? Elle est bloquée! Elle est bloquée! Allez, maman! Ouais! Que chacun go fait la paix, oh! Maman! Une place avec mes abeilles choux. Je n'ai pas de rendez-vous sur Facebook à quelqu'un. Ma famille, ce sont mes abeilles. Mes amis, ce sont mes abeilles. Oui, c'est comme ça et pas autrement. Rendez-vous jeudi, je vous fais des gros bisous et tout. Surtout, restez connectés parce que les placements de produits, n'oubliez pas que notre direct sera sponsorisé par Teint Parfait by Nadège Paris et puis C-Beauty, Agnès Belle, l'Institut C-Beauty qui est en commande. Voilà les sponsors et tout. Donc, je vous fais des gros câlins. Hein, je fais des gros câlins partout, partout. Hein. Rendez-vous jeudi, je vais dire la vérité aux Camerounais. Vous savez, j'ai caché beaucoup de choses parce que je voulais protéger certaines personnes et j'ai décidé de dire la vérité pour me libérer parce que le mensonge n'a pas de longs jambes et dans la vie, il y a des choses qu'on ne doit pas faire et il y aura des repentis. Jeudi, c'est... Ça sera le chemin de la vérité. Il faut se confesser. Confessons-nous vivants. Et je dis, je vais me confesser. Je vais dire la vérité aux Camerounais. Ce que vous n'aviez jamais entendu. Je vais le dire. Et je vais vous montrer ce que vous n'aviez jamais vu. Et ça sera jeudi. Et ça ne chauffe pas. Restez connectés, je vous aime. Retenez vos cœurs. Soyez, comment on dit dans la vie, il faut être tolérant. La tolérance, on s'est blessé, on s'est fait du mal, mais jeudi il y aura la confession et il y aura le programme du voix bébé. Ça sera jeudi à 21h. Je ne veux pas que vous ratez ça parce que je ne veux pas vous voir rater ça. Je préfère, c'est pour ça que j'ai mis 21h, le temps pour vous de faire la route, d'arriver à la maison tranquillement. Voilà, bisous, bisous, je vous aime. Bye bye. Gros bisous les cœurs.
Oui, c'est demain jeudi, mes cœurs. C'est demain. Demain jeudi. C'est demain, il y aura la confession et il y aura le programme du voix bébé de bébé Brandon. Le dernier enfant de mon ex-père. Les gens qui sont go arrachés n'ont pas pu faire un voix bébé, n'ont pas pu faire quelque chose de. Tout pour eux, c'était le aide-moi de tester. C'est terminé. La personne qui va en guerre aujourd'hui va seule. Oui, je ne pars plus en guerre pour personne dans la vie. Je ferai la guerre désormais pour moi seule et tout, je vais penser à ma gueule. Parce que je ne me crée plus des ennemis pour des gens. Et d'ailleurs, je ne suis plus en guerre avec personne. Nous sommes tous dans la paix et que chacun gère son couloir. Et les personnes qui ont les boules dans le cœur, il faut boire de l'eau chaude avec du citron pour avaler la boule qui est là, que le goitre qui est dans vos cou. On est d'accord? Ok? Bisous, rendez-vous jeudi. Ouais, Patricia de Toulouse, toi aussi, pourquoi tu bavardes? Oh, franchement. Mais est-ce que vous êtes souvent obligé de venir écrire cette. Efface ce que tu as écrit là. Moi, c'est le voix bébé. Efface ce que tu as en train d'écrire là. Je fais le programme du voix bébé. Ce que tu as écrit, elle ne veut pas voir. S'il te plaît. Comment? Je t'ai donné un programme. Hein? Je t'ai donné un programme de quoi? J'ai dit que je vais donner l'adresse du voix bébé et tout ce qui sera en 2024 pour le voix bébé. Aïe, 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 aïe. C'est de ça qu'il s'agit. Faut laisser les gens jacasser, mon frère. Je vais vous montrer que toutes les guerres ont été gagnées sur cette terre par stratégie. On ne bavarde pas trop. En 2024, on ne bavarde plus. Tous ceux qui parlent de moi, là, n'oubliez pas le 2. Prononcez toujours mon nom, s'il vous plaît. Donnez bien Fleur de Lys à Bec. Quand vous parlez de moi dans vos choses, là, donnez toujours Fleur de Lys. Prononcez bien. Identifiez même ma page. N'importe quoi. Vous croyez que j'accepte les données? Je vous donne les programmes et puis les invitations pour le voix bébé. Je vais vous présenter la carte d'invitation pour ce voix bébé. Parce que ça sera un voix bébé du jamais vu à Paris. Oui, je vais vous présenter les billets d'invitation et l'adresse et le contact téléphonique pour tous ceux qui veulent assister et tout. Quelqu'un qui écrit que Amo, t'évites cette fille. Ce que je vais t'expliquer, c'est que c'est pas un enfant et moi non plus. Tu n'as pas de conseils à donner. Va conseiller les membres de ta famille. Tu as compris? En Europe, on n'a pas le temps de fréquentation des gens. Les gens travaillent. Je travaille, je suis occupée. Toi, tu dis que évite cette fille. Mais vous croyez que je suis sans abri, mon frère? Si je suis sans abri à Mbeng, je rentre au co. Il y a quoi? Je suis française. Les cœurs, n'oubliez pas rendez-vous le 6 avril en Allemagne. Hein? Le 6 avril, la nuit en tous en blanc, la nuit en blanc en Allemagne. De White Party. J'ai déjà été la dernière fois. Ils ont sollicité quelque chose encore présente. Oh, le 11 mai, nous avons l'apothéose à Paris avec Jean-Robin Gamot. Le 8. Ce 8 mars, nous avons la journée internationale de la femme avec Ruth Gisèle Menguel, le maillot jaune de Paris et tout. Et le 25 mai, nous avons encore la nuit, la soirée en blanc dans l'autre côté de l'Allemagne. Et n'oubliez pas, la reine mère, Atlanta, la semaine prochaine, aux États-Unis. Ben, ça, c'est un voyage au repos, hein, convalescent. C'est un voyage qui avait déjà été programmé. Pardon, j'ai des gens derrière moi. J'ai un conteneur. Puis attendez, j'ai un conteneur et je vais passer. Je vais passer. Oh my god. C'est que sur la route du Nord, il y a du monde. Hein. Donc je vous donnerai et ma croisière à Miami. Je vous donnerai tout mon programme, hein, de cette année. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et nénéné bleu. Si la mafo ne parle pas, ils vont se nourrir leur page avec quoi? Vous savez que j'aide beaucoup ces soeurs, mes soeurs et mes frères blogueurs de la toile. Moi, je les donne. C'est grâce à moi aussi qu'ils mangent. Je ne peux pas manger, je ne suis pas égoïste. Allez pleurer loin, les pleurs de chat. Ouais, la vache. Bisous les cœurs. Bisous, je vais payer l'autoroute.